La pratique moderne du bain intime pour les femmes vient répondre aux problèmes de santé de bon nombre d'entre elles au Gabon. Et Josiane Metsuma l'a bien compris. Alors, pour la petite histoire, j'ai 5 enfants. Lorsque j'ai mis au monde, j'ai fait une descente d'organes, donc une prolapsus. J'ai fait la rencontre d'une dame américaine. Je lui ai expliqué tout ce que je ressentais. Elle m'a dit, j'ai un Unispa, venez voir, vous allez découvrir, ça va vous faire du bien. Alors du coup, je suis allée, j'ai profité. On a fait les séances. Donc au bout d'une, deux semaines, c'était complètement retourné. Donc depuis ce jour, j'en fais mon combat. Et je me dis que forcément, il y a des dames qui vivent la même situation que moi en silence. Le nettoyage de l'appareil génital obéit à un certain processus, comme nous le montre Josiane Metsuna. Après accoucher, nos mamans vont nous exiger, parfois même si on est marié, on va rentrer en famille pour aller se refaire une cure de jouvence, faire des massages, faire l'eau chaude. Donc c'est le même principe que moi, j'ai simplement modernisé. Donc ça se passe en revenant dessus, ça se passe sur une chaise percée. Et dans la chaise, on a la machine, on met de l'eau, on met des essences. Et ces essences-là, justement, cette vapeur qui va monter sur les parois de l'appareil génital de la femme et ça va agir pour détoxiner l'utérus. La zone génitale de la femme joue un rôle très important dans la protection de ses organes génitaux internes. Mesdames, il est donc nécessaire d'en prendre soin avec la plus grande précaution.